30. septembar 1984. godine. Nalazimo se u holu Kolarčevog narodnog univerziteta gde se upravo završilo takmičenje muzičke omladine i gde je disciplina bila ove godine violončelo. Ja sam imao posebnu čast da se na ovom konkursu moje delo Prekinute melodije izvedu više puta, odnosno to je bio zadat komad koji su svi violončelisti sveta svirali. Moje druženje sa violončelom ide daleko u prošlost, jer ja sam taj instrument uvek voleo, pošto je predstavlja u stvari ljudski glas, a ja pošto volim da pevam, tako sam dosta za njega napisao. Tu, igrom slučaja, se nalazio i Andre Navara, veliki violončelista i profesor Parijskog konzervatorijuma, koji je zapazio moju muziku od ranije još, pa tako večeras ćemo čuti takođe interpretaciju moga dela Via Dolorosa za violončelo i klavir. Inače, ja smatram kao umetnik da umetnik o svom delu u stvari ne bi trebalo da govori, nego bi trebalo to da kaže onim izraženim sredstvima kojim se on služi, u ovom slučaju to je muzika. Pa tako ja večeras isto bih želao da moja muzika govori o meni, a ne ja da pričam o tome. Bonjour, cher maître. Bonjour. Je suis très heureux et très ému parce que vous êtes là avec nous et puis encore de plus que vous jouez mon œuvre et puis encore de plus que je vous accompagne. J'ai vraiment beaucoup de choses à raconter parce que je vous connais depuis dizaines d'années et je me rappelle, je veux bien raconter seulement une chose, quand je suis venu pour la première fois chez vous dans la classe à Paris, parce que toujours j'aimais beaucoup violoncelle, et surtout votre manière de jouer et votre manière d'enseigner aussi violoncelle. Et alors quand je suis venu dans votre classe, j'étais quand même un jeune homme plus jeune 10 ans, et j'étais très fier de ça, qu'est-ce que je fais pour violoncelle. Et tout de même, à cette époque-là, j'ai fait seulement une sonate pour violoncelle. Alors je vais vous donner cette sonate, et vous allez regarder, et après vous avez dit, alors, cher Ivan, quand même, tu dois rester ici et écouter encore beaucoup, beaucoup de violoncelle, et je pense qu'un de ces jours, tu vas faire les œuvres encore meilleures. Alors, ça m'a bien appris une chose, c'était d'abord ma première leçon de la patience, et pour ça, je vous remercie beaucoup. C'est-à-dire là où j'ai appris vraiment qu'est-ce que ça veut dire d'être patient, d'entendre son temps et puis d'écrire et de travailler et d'être patient de toute façon. Je crois que c'est le secret des artistes et des compositeurs et des interprètes aussi. La patience, c'est une grande chose. Je vous remercie, cher maître, et maintenant peut-être on va jouer, on va essayer de jouer mon mieux. Thank you.
cher maître, je vous remercie beaucoup d'avoir interprété mon œuvre et d'avoir la patience de le jouer, de le travailler. Bravo, c'est une bonne chose. Merci, merci beaucoup.